Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jérôme, je suis thérapeute et dans cette vidéo, je te propose un voyage méditatif dans le fameux lâcher prise pour une détente profonde, pour de la paix intérieure, pour vraiment sentir jusque dans le corps, jusque dans le système nerveux, une détente profonde. Activer le système parasympathique et nous allons utiliser l'imaginaire pour y accéder. L'imaginaire pour accéder à notre nature que nous sommes déjà. L'imaginaire pour nous souvenir de qui nous sommes. L'imaginaire, c'est un outil hyper puissant. Nous avons un imaginaire énorme, mais d'un côté conscient et beaucoup inconscient. Et c'est aussi un paradoxe en fait d'utiliser l'imaginaire pour accéder à nous. L'état idéal, on peut dire l'état d'éveil, c'est d'utiliser aucun imaginaire et juste d'être dans l'instant présent. Dans la plupart des situations, notre corps physique serait totalement détendu et on voit juste la réalité. On se rencontre vraiment dans le réel, ce qui est malheureusement rarement le cas. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on utilise bien souvent inconsciemment l'imaginaire parce qu'on superpose l'histoire du passé sur les situations d'aujourd'hui, dans les rencontres, dans tous les événements, en fait, notre partie inconsciente ou nos parties inconscientes vont s'activer et comparer la situation d'aujourd'hui à ce qu'on a vécu, par exemple une impuissance, une douleur, etc., dans le passé, et de nouveau recalculer la situation d'aujourd'hui. Et c'est comme un ordinateur super intelligent qui fait ça, mais malheureusement qui calcule sur une base de données du passé, sur une base de données qui n'est pas réelle aujourd'hui. Donc, bien sûr, idéalement, on accéderait à juste lever le voile et enlever tout ça, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, une autre manière qu'on utilise en hypnose et aussi dans le chamanisme d'ailleurs souvent, c'est d'aller prendre soit des ressources qui sont déjà positives ou un imaginaire d'aujourd'hui pour justement détendre le corps, pour amener des bonnes images, pour se faire du bien. Je ne suis pas fan de penser positif dans chaque instant ou qu'on doit toujours s'imaginer quelque chose de positif. Par contre, pour des moments précis, ça peut être très très bien pour se souvenir vraiment d'une énergie que nous sommes, parce que nous sommes de la joie, nous sommes de l'amour et de la lumière. Et on peut utiliser justement cet imaginaire pour nous souvenir de cela, sans nier qu'on peut être en colère, qu'on peut être triste, et tout ça, ça fait partie de l'expérience humaine. Donc surtout n'utilisez pas ce genre de voyage pour jamais accéder à vos émotions. Tout bon outil, on peut l'utiliser à un certain moment pour plus nous faire du mal. Donc, ce n'est pas l'idée de ce voyage. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer, idéalement assis avec une colonne vertébrale droite. Et tu vas plus ou moins... le voyage va durer plus ou moins 10 à 15 minutes. Donc, regarde que tu n'es pas distrait pendant ce temps. Si tu n'es pas encore installé, touche sur « Stop ». Et puis, mets play quand tu es installé. Parfait. Je t'invite à prendre une bonne inspiration. Et expiration. Inspire. Et quand tu expires, tu lâches. Chaque expiration, tu peux lâcher encore un peu plus. Profondément. Inspire. Et expire. Tout se passe naturellement. Tu es de plus en plus observateur, observatrice. Si tu n'as pas encore fermé tes yeux, ben c'est un bon instant maintenant. Ferme tes yeux. Ah, très, très bien. Chaque respiration, une détente. Chaque respiration, un lâcher prise. Tu peux percevoir que tu as des sensations. Tu peux percevoir peut-être que tu as des émotions. Tu peux percevoir que tu as des pensées. Tu observe tout cela et tu te détends pendant que tu observes. Très, très bien. Je t'invite maintenant
à t'imaginer que tu es sur un chemin magnifique dans une forêt fantastique. Je t'invite progressivement à t'imaginer, à sentir que tu es à pieds nus, que tu marches sur ce chemin. La terre t'entend. Et chaque pas te connecte un peu plus, te relie profondément à la terre. Et la terre t'enlève avec le magnétisme de la terre. Ça t'enlève toutes les énergies négatives, jusque dans tes cellules du corps aussi. Toutes les charges, les poids, les tensions peuvent déjà gentiment, comme une douche, enlève la poussière du corps. Et bien ça enlève la poussière de tous tes corps, de toutes tes expériences, de plus en plus. Et en plus, ça te recharge. Tu continues le chemin dans cette magique et magnifique forêt. Tu vois les arbres, les maîtres, les amis. Tu sens que tu donnes de l'espace, de l'oxygène, les maîtres de la coopération. Tu continues ton chemin dans cette magnifique forêt. Tu es en parfaite sécurité. Et tu vois au bout de ce chemin, une lumière qui t'attire et tu continues ton chemin. Tu comprends qu'il doit y avoir une clairière qui t'attend. Tu continues le chemin, tu continues. Tu fais encore quelques pas et maintenant tu arrives sur une incroyable et magnifique clairière. Tu y trouves une cascade génialissime. Il y a le soleil qui reflète les lumières et les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu n'hésites pas, tu entends l'invitation de cette magnifique, de ce magnifique cascade et tu vas vers cette cascade. Tu fais pas par pas, par pas, par pas. Tu es tout prêt. Ah, et maintenant tu es sous cette génialissime cascade. Chaque respiration t'intensifie l'expérience. Cette cascade, c'est de l'amour et de lumière, de haute fréquence. Vraiment, c'est comme une douche, mais que la plus profonde douche que tu peux t'imaginer. Ça nettoie non seulement ton corps physique, dans les cellules intérieures, dans toutes les tensions, mais aussi ton corps émotionnel. Tu sens que là où il n'y a pas eu espace pour colère, là où il y a eu retenue, ça donne espace et ça nettoie. Ça lâche. Peut-être tu vois des parties qui crient et qui sortent leur rage. Et ça fait du bien, ça donne de l'espace, super. Tu peux sentir et voir des côtés qui peuvent se sentir tristes et qui peuvent avoir de l'espace pour montrer tristesse, pour laisser couler tristesse, pour juste donner espace aussi à tristesse. Tout ce qui est bien pour toi, peut-être ça va encore de nous dans une autre émotion. En tout cas, tu peux te laisser l'espace qu'il faut, juste pour sentir cette profonde purification, ce lâcher prise de plus en plus qui se fait. Et tu laisses juste faire, conscience fait, amour et lumière fait. C'est tout à fait naturel, tu dois rien faire. La magie œuvre. Tu laisses couler cette magie. Tu continues et tu sens que aussi dans le corps mental, cette lumière d'amour, ces autres magnifiques et hautes fréquences de lumière nettoient, purifient. On peut dire toutes les poussières, toutes les lourdeurs, tout ce qui ne t'appartient pas profondément est nettoyé et libéré. Sans effort. Naturellement. Chaque respiration accompagne cette magie. Et c'est tout à fait naturel. Au doux son du tambour, thank you.
Aucun danger autour de toi. Le corps peut être relâché profondément. Tout ce que ton être peut voir et entendre et sentir avec positivité, avec énergie, avec amour, avec lumière. Tout ce que ressentir, tout ce qui s'apaise, tout ce qui est juste agréablement relâché, cascade, et tous les êtres de lumière qui dansent dans cette cascade, qui alimentent cette cascade, qui sont émerveillés par cette incroyable énergie que cette cascade déploie. Et toi, tu es pleinement dedans. Pleinement dans cette cascade. Cette énergie te pénètre jusqu'au profond de toi et active ce qui est en toi. Active le diamant, la magie, la lumière qui est en toi. Énergétise toutes ces énergies positives. Ce qui te fait profondément du bien. Avec cette expérience, et tout ce que tu prends avec, et toute cette énergie, et tout ce que ça libère, cette légèreté, lâcher prise, détente, tout ce qui est positif, tout ce qui est positif. Amour, lumière, paix. Je t'invite encore vraiment pleinement, pleinement, comme intérieurement, t'imaginer que tu ouvres les bras, tu lèves les bras vers le ciel, tu accueilles ces couleurs arc-en-ciel dans tous tes chakras, dans tous tes méridiens, dans tout ton être. Quelle pureté d'énergie. Tu te remplis pleinement. Et pendant que tu sens que ça remplit et remplit, détente, lâcher prise. Une bonne inspiration. Jusque tout est pleinement, pleinement, pleinement rempli. Cette cascade, elle est en toi. Tu peux la visiter quand tu aimerais. Là, gentiment, c'est le temps de lui dire au revoir pour cette expérience. En même temps, tu sais qu'elle est à l'intérieur de toi. Donc je t'invite maintenant à faire quelques pas sur ce lieu magique, ce lieu de force, ce lieu incroyable. Remercier la cascade, prendre toute l'énergie magique avec toi, la pureté, voir que les couleurs, l'intensité, tout est plus fort, plus intense. Tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu entends, tout ce qui est agréable est plus intense. Tu remercies ce lieu, la cascade, les esprits et toute l'expérience que tu as faite. Tu vas vers la forêt, sur le chemin, et aussi là tu sens fortement les arbres, les maîtres qui te parlent, qui parlent dans le cœur. Et tu sais que cet espace, c'est un espace qui s'est créé dans le cœur pour te relier à ton profond être. Tu peux y retourner quand tu veux, et ça se renforce de plus en plus.
dans l'espace du cœur qui reconnaît la douceur, l'amour, la puissance, la vérité. Je t'invite à prendre deux, trois profondes respirations et sentir de plus en plus la conscience s'orienter vers le corps physique aussi qui est dans l'espace où tu es. Sentir le corps physique et aussi que le corps physique prend pleinement des milliards de cellules, se remplissent avec cet amour, cette lumière, ces énergies positives. Tu prends encore quelques respirations. Et quand tu ouvriras les yeux, quand c'est le bon moment, même si tu prends contact avec l'extérieur, aussi avec tes sens extérieurs, et bien la richesse intérieure reste en toi. Elle est là. C'est comme une nouvelle ressource qui est maintenant là, qui est active. Et tu peux, quand tu veux, y retourner, même en pensant à cette cascade, à ce lieu magique. Juste activer en toi les cellules, la positivité, le bien-être. Donner espace à toi. Sentir que c'est juste, tes mouvements de vie sont justes. Ah, régénération. Super. Une, deux respirations et quand tu es ready, quand tu es prêt, tu ouvres tes yeux, oh, tu t'étires et bienvenue, relâché, relaxé, équilibré, en paix, régénéré. Wengatayama Kashakateyama. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique vie.